Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour Élément Feu, Sagittaire, Lion et Bélier. J'espère que vous allez bien. Alors, Élément Feu, on va regarder qu'est-ce qui se passe en amour pour vous. Je vais commencer avec mes archanges pour voir votre énergie en amour. Ça peut vous parler s'il n'y a personne, ça peut vous parler s'il y a quelqu'un. L'énergie en amour pour élément feu. On a la reine de Raphaël. C'est la reine des coupes, c'est Cancer, Poisson et Scorpion. C'est quelqu'un de très intuitif, compréhensive, bienveillante, généreuse. Suivez votre cœur. Alors, ici, suivez votre cœur parce que votre intuition, elle est très. Vous pouvez vous fier sur votre intuition ici. Pas l'ego, l'intuition. Vous avez un grand amour pour la famille, la maison. Wow! 10 de Raphaël. Famille, maison. Vous êtes prêt ou prête à partager une vie, l'amour et bénédiction qui remplissent votre vie. Vous êtes vraiment, vraiment prête à ça. Les relations harmonieuses avec la famille, avec les amis, les membres de la famille. C'est vraiment une carte d'amour. C'est l'amour souhaité. OK. Allez, on va continuer. C'est l'amour souhaité. Si ça va moyen, en ce moment, il y aura des meilleurs jours à venir. Donc, si vous êtes déjà lié avec quelqu'un et ça va moyennement bien, il y aura meilleurs jours à venir. OK? Sérieux, ça va très, très bien. On a le 9 des Pentacles, le 9 de Ariel. Accomplissement. Vos rêves se réalisent. Le travail acharné vous amène un grand succès ici. Et vous avez cet amour pour la beauté les belles choses dans la vie. Les belles choses de la vie et la beauté de la vie. Vous êtes une personne très enjouée, une énergie vraiment très, très positive ici. Il y a deux arcs-en-ciel qui m'indiquent vraiment meilleurs jours à venir si ça a été difficile. OK? Et on a le 4 de Raphaël. Donc, il pourrait y avoir quelqu'un dans votre énergie ici qui a l'impression d'avoir passé à côté d'une opportunité avec vous. Vous étiez la personne. 3 de Gabriel. On dirait que vous planifiez vraiment juste. Vous planifiez peut-être un voyage parce que peut-être que vous vous ennuyez en ce moment, vous avez envie de voir d'autres possibilités. Hein? Peut-être que vous n'êtes pas vraiment en relation avec quelqu'un en amour. Je vois un voyage ici. Vous planifiez un voyage, ou planifiez quelque chose. Un gros changement dans votre vie, OK? Vous allez un autre. C'est un autre palier.
Et c'est vraiment les choses que vous êtes en train de manifester. Donc, c'est des plans optimistes qui le résultat, c'est vraiment à quoi, ce à quoi vous vous attendez, OK? Ce à quoi, qu'est-ce que vous voulez. Donc, les manifestations qui entrent ici. Peut-être, pour certaines personnes, vous êtes célibataire depuis un bout maintenant. Et vous êtes en train de manifester quelqu'un dans votre vie. Élément feu. En fait, ça, c'est votre énergie et vous avez un grand pouvoir de manifestation en ce moment. Le 3 des bâtons, c'est le bateau qui entre avec la marchandise au port, ici. Donc, Amazon, okay. C'est garanti d'arriver, hein? Donc, c'est ça. Manifestation qui entre. Livraison de marchandises. Livraison de quelque chose que vous avez commandé. D'une commande que vous avez faite à l'univers. Je vais clarifier ça. Il y a quelqu'un qui est très passionné de vous, vraiment. Il y a quelqu'un qui aime beaucoup votre énergie. On a énergie lion, ça peut être votre énergie ici. On a votre énergie feu. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un d'autre, élément feu. Cette personne, elle ne peut faire autrement que de vouloir passer du temps avec vous. Elle ne veut pas vraiment d'engagement ou ne voulait pas d'engagement. Son amour pour vous est grand, mais pas aussi grand que le vôtre pour cette personne. On dirait que cette personne, elle est juste... Elle a beaucoup de bonheur. Vous êtes son bonheur. Mais elle n'était pas aussi prête que vous à cet amour. Par contre, là, on dirait que ça pourrait... Donc, c'est peut-être quelqu'un de nouveau que vous allez rencontrer, OK? Qui était peut-être pas prêt à s'engager, mais va vous rencontrer. C'est le 10 des coupes ici. On a le 9 des épées qui vient clarifier. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Vous avez beaucoup d'inquiétudes par rapport à votre vie amoureuse. Ou votre famille. Vous avez des inquiétudes par rapport à votre famille pour certaines personnes. Il y a quelqu'un qui ne dort pas bien. Qui ne dort pas bien. Quelqu'un qui s'ennuie de vous ici. 10 des pentacles. Donc, on a le 10 des coupes, 10 des pentacles. Je ne sais pas quoi vous dire. Il y aura mariage avec quelqu'un ou il y aura union avec quelqu'un ici. C'est vraiment ça que je vois. 7 des pentacles. Il se peut que vous ayez à attendre un petit peu, peut-être un petit délai. On dirait que ça vous ennuie ou ça vous fatigue, ce petit délai. Il se peut que vous décidez de partir en voyage pour... oublier ce délai, ou ne pas penser à ce délai. Vous allez laisser les choses mûrir, on dirait ici, mais c'est... On dirait que ça vous dérange quand même de laisser les choses mûrir. Il y a cette impatience. Ou vous décidez d'être patient. Quelques-uns d'entre vous, vous décidez d'être juste... Je sais que ça va entrer. Je ne veux même plus y penser. Je sais, tout est en place pour ça. Sinon, ça va bien. Peu importe. Que voulez-vous que je fasse? Je veux dire,
Soit que, si vous acceptez pas qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie, dans le moment présent dans votre vie, concernant l'amour, ça va pas changer. Ça va juste créer une résistance. On peut pas forcer les choses. Par contre, je vois vraiment que ça entre. Il y a quelque chose qui entre pour vous. C'est quelque chose dans laquelle vous vous êtes investi énormément. Vous avez attendu déjà aussi ça dans le passé. Si vous êtes sur le parcours flamme jumelle, c'est un processus. Donc, vous êtes mieux de pas. Plus vite vous travaillez sur vous, plus vite ça entre. Puis on ne le fait pas pour ça non plus. C'est ça. Élément feu en amour, s'il vous plaît. Je ne sais pas si j'ai vu clairement. On va aller chercher d'autres messages pour vous. 11-11, je viens de voir. Et réconciliation. Quelqu'un de votre passé, possiblement, qui revient. Attirance. Vous attirez l'amour. Vous attirez l'amour en vivant le moment présent, dans la joie. Dans la joie. Sentiment romantique. Mais c'est vraiment dans pas long. Il y aura vraiment quelque chose. Il y a quelqu'un qui vient pour vous ici. Faites attention au drapeau rouge. Si c'est une personne du passé, juste de faire attention que vous ne retombez pas dans la même histoire. Je vais clarifier ça pour vous, élément feu. Valet des bâtons, c'est votre énergie. J'ai l'impression que vous faites affaire avec un autre élément feu. Okay? Communication. Ou vous êtes cross-watcher, je ne sais pas c'est quoi en français. Quelqu'un qui regarde pour quelqu'un d'autre. Cross-watcher. Disons que vous êtes élément eau, puis là vous regardez pour quelqu'un élément feu. Donc, ça peut être ça, cross-watcher, mais je ne sais pas c'est quoi en français. Peut-être que vous savez le terme. Sinon, on pourrait inventer un terme. Pourquoi pas? On pourrait inventer un terme. Cross-watcher. Je ne sais pas. Faut penser à ça. Donc, c'est ça. Quelqu'un qui a communication. Une nouvelle inspiration pour communiquer, réconciliation. Je veux arranger les choses ici. 3 des épées. Lorsque vous vivez le moment présent, lorsque vous n'êtes plus dans ça ici, OK? Vous êtes en train de guérir. Le 3 des épées, c'est vous êtes en train de vraiment... Hein, smell the roses. Je sens les roses. En anglais, c'est une expression qui dit... I take time to smell the roses. Je prends mon temps de sentir les roses que je vis le moment présent. Donc, c'est vraiment ça. Dans le moment présent, il n'y a pas ça. Il y a ça. Ça, c'est le passé. Gémeaux, balance et verso. On a l'étoile. C'est verso, c'est guérison, c'est amour souhaité, okay? Quelqu'un qui est comme vous, quelqu'un qui vous accepte comme vous êtes, okay? Avec rien d'autre.
qui ne veut pas vous changer. Il y a une certaine énergie de guérison ici aussi. Donc, on a les sentiments romantiques. Et on a le 2 des bâtons. Donc, faire attention au drapeau rouge. C'est plus par rapport à vous, on dirait. Avec ça, tu sais, c'est juste de faire les bons choix. On vous dit juste, fais pas les mêmes choix que tu faisais dans le passé. Donc, ça ne veut pas dire ne pas être avec cette personne, mais fais pas les mêmes choix. Fais pas les mêmes choses. Fais pas les mêmes habitudes. Ne retombe pas dans le même cycle. Ne retombe pas dans le même pattern. Fais autre chose, quelque chose d'autre. OK? C'est ça que j'ai ici pour faire attention au drapeau rouge. J'ai plus par rapport à ne pas retomber dans le même pattern. Où est-ce que cette personne va quitter ou quelqu'un va se sentir abandonné? Donc, on essaye d'éviter ça. Ça, ici, c'est un changement de tout. On ne veut plus ça. Okay? Si on a l'impression que cette personne, elle n'est pas prête, c'est encore le chevalier des bâtons, c'est quelqu'un qui entre et sort de votre vie, tout ça, c'est pas la peine de continuer parce que vous le savez. Mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression ici juste que les choses peuvent un peu, OK, mais il faut mettre un stop à ça. Donc, il faut faire autre chose. Peut-être que vous allez avoir à dire quelque chose ou faire quelque chose pour garantir que ça se passera plus. Garantir, c'est difficile de garantir, mais c'est pas pour enlever rien de cette personne, c'est juste que vous ne voulez pas vivre peut-être des drames ou du tiraillement, malgré que vous êtes tellement devenue forte, là, ou fort que vous avez fait « Ah ouais, j'ai vu ça déjà ». Been there, done that. Hein? J'ai été là, je l'ai fait, j'ai vécu. Je sais c'est quoi cette énergie. Je ne veux pas vraiment revivre ça, mais je ne vais pas vraiment dire où je vais dire, mais je m'en fous. Je m'en fous. Mais c'est ça. En fait, c'est ça. À un moment donné, là, on s'en fout. À un moment donné, c'est parce que vous êtes là. Puis, 3 des épées, vous l'avez vécu peut-être déjà pas mal. Donc, faire attention au drapeau rouge, juste faire attention. Si cette personne, elle ne semble pas prête, c'est pas grave qu'elle fasse ces choses. Vous avez votre vie à vivre. Vous n'avez pas besoin de continuer avec toute cette incertitude s'il y a quelqu'un en particulier. Sinon, c'est quelqu'un de nouveau. OK. Je vais aller chercher un message des anges pour vous. Ça se peut pas. Elle sort tout le temps. Vous êtes profondément clairvoyant. Vous êtes quelqu'un de très clairvoyant, OK? Donc, fiez-vous sur ce que vous ressentez, votre intuition. OK? On l'a vu tout à l'heure. Faites ça, OK? Vous ressentez quelque chose, là, juste faites confiance à votre ressenti, OK? Et puis, votre vision spirituelle, ça vous aide à guérir, à enseigner et à guider aussi les autres. C'est très, très, très beau pour vous, élément feu. Le diable est sorti. Donc, s'il y a un élément toxique dans votre énergie, juste de vous en débarrasser, mais elle est sortie à l'envers pour moi, en tout cas. Donc, il y a peut-être justement la fin de difficultés ici. Okay. Ça va être la fin de difficultés ou de blocage. On a dualité. Conflit intérieur, entêtement. Égo, questionnement, dualité. On l'a vu tout à l'heure. Vous allez suivre votre intuition. C'est vraiment ça, les drapeaux rouges. Vous allez peut-être être tenté de... Vous allez vous dire, oh, je veux juste être avec cette personne. Je m'en fous un peu de ce que cette personne a fait. Mais ça va vous... C'est ça, c'est avec les passions ici qui peut prendre le dessus, OK, sur le jugement. Élan, tentation, excitation,
ivresse. Il pourrait y avoir aussi quelqu'un qui boit. Okay, donc, il se peut que dans un moment d'ivresse ou de quelque chose, okay, avec le diable ici, qu'il se passe quelque chose avec cette personne et ça revient comme avant. Donc, on vous dit, faites attention au drapeau rouge. Et même, on dirait qu'elle porte un drapeau rouge ici, rouge et jaune. On a juste faire attention, parce que c'est sûr que si vous avez beaucoup de passion pour cette personne, elle en a pour vous aussi. OK? Mais c'est juste que je ne sais pas si elle va avoir vraiment complètement changé ou les choses vont. Juste, c'est pas pour tout le monde et c'est général, hein? Donc, juste écoutez ce petit avertissement. Je vais aller vous chercher une carte de temps et je vais aller vous chercher une chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Élément feu, Sagittaire, Lion, Bélier. Je ne sais pas si cette lecture vous a parlé. Il y a peut-être été un peu de confusion. Décembre. Hey, c'est votre fête! Bon, si vous êtes Sagittaire. OK. Votre chanson Élément Feu. Gold de Spandau Ballet. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.